Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hyperanix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le DLC 4, donc avec les nouveaux personnages bien évidemment. Donc on a Vegito Super Saiyan Blue et Zamasu fusionné. Donc je pense qu'on va commencer le gameplay en commençant par du Vegito Super Saiyan Blue. Donc il ressemble un peu au Vegito normal au niveau des statistiques. Au niveau des techniques, il a frappe sauvage, coup de poignard spirituel, crash du météore, charge maximum, espèce spirituelle et Kamehameha final. Et super âme, ta garde était baissée. Donc on va aussi voir un peu les techniques de Zamasu fusionné. Donc Zamasu fusionné est un perso plutôt, on va dire, bien réparti au niveau des caractéristiques, à part en endurance où il est un peu pas trop élevé. Donc ses techniques sont Fureur Divine, Lame du Jugement, Foudre Absolue, Divinité Enchaînée, sa méga est Colère Divine, Purification, Frappe Destructrice, Subit ma Puissance Divine. Donc il a que des techniques nouvelles, à part Frappe Destructrice, voilà. Mais voilà, en gros il a que ça. Et Vegito a, je crois, allez, ouais, il a une nouvelle technique, parce que Frappe Sauvage n'est pas une nouvelle technique. Donc on va commencer par Vegito et on va faire contre... Est-ce qu'on fait contre Zamasu fusionné? Ben ouais. Donc on a une nouvelle map, Futur en ruine, donc on va se battre là-dessus. Donc on va voir un peu ce que... J'ai jamais joué, hein. Donc je n'y ai pas joué encore, j'ai téléchargé, enfin je l'ai acheté aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça vaut. J'espère que ça vaut le coup. Je sais qu'il y a un nouveau mode histoire. Je pourrais peut-être vous le faire en vidéo, je sais pas. Parce que je sais que Share Factory bloque... Enfin, Xenoverse 2 bloque les cinématiques. Donc là, on va faire qu'un combo carré. C'est plutôt pas mal. Ouloulou. Oh, il a l'air de faire extrêmement mal Zamasu fusionné. Claque le champ de force. La petite protection. On va essayer de lui mettre un stamina. Ah ouais, donc ça attaque même le dos. Donc on va faire frappe sauvage. Ah non, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Coup de poignard. Attends, on peut le faire en deux fois? Non. C'est une technique qui va hyper rapidement. Ok, là on fait des petits combos. Épée spirituelle, c'est la même. Et comme à final, je pense que c'est le même. On va voir ça tout de suite. Donc il a l'air de mettre une grosse patate, hein. Voilà. Et je sais que quand vous réappuyez, je crois, on apparaît au-dessus. Voilà. Ça peut être plutôt pas mal. Donc, petit champ de force. Ah le bâtard. Donc ouais, Zamasu fusionné a l'air de faire de beaucoup de dégâts. Donc Vegito et CG Blue m'ont à peu près, je dis bien à peu près les mêmes combos. Il les a pas vraiment les mêmes. Mais ça va. Je m'attendais à peut-être un truc genre... Dommage, on va refaire le... Ouais, ça a l'air d'être le même, hein. Après peut-être que vu de l'extérieur c'est pas le même. Donc je m'attendais à un truc genre ouais c'est du recyclage de végétaux. Non pas du tout, heureusement. Donc attendez, coup de poignard spirituel, bim. Ça enlève pas beaucoup mais je pense que c'est histoire de, tu vois. Tu vois, tu peux le placer en combo je pense. Attends, on va essayer, ouais, il a plus beaucoup de vie. Bon, on va le terminer avec, hein. Ouh, le stamina. Le stamina qu'il met extrêmement mal. Donc Vegito est un personnage plutôt plutôt pas mal. On va refaire une game et je ferai une autre vidéo normalement pour vous montrer Zamasu. Donc voilà. Donc là c'est Vegito Super Saiyan Blue qui est franchement plutôt pas mal. Donc il y a eu des nouvelles choses dans le DLC 4. Il n'y a pas eu que ça. Mais bon, faudra attendre le week-end pour les médailles pétées. Parce que moi je suis pas le type qui change l'heure et tout ça. Faudra attendre. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti. Il y a des nouvelles quêtes aussi que je ferai, des quêtes experts. Donc on verra, je pense qu'on va aller voir après ce que ça donne. Juste voir les techniques qu'on peut avoir et qui on affronte en fait. Et il y a le nouveau mode histoire qui a l'air plutôt pas mal réalisé je trouve. Donc après c'est que mon avis. Donc vas-y, on va lui mettre tout le combo carré parce qu'on n'arrivait pas à le mettre depuis. Voilà, et le final Kamehameha qui fait extrêmement mal. Oh dommage, c'est dommage. On va tester qu'un combo que triangle. Attends. Oh, dommage. J'aimerais bien le terminer avec le point. Allez. Voilà.
Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je pense avant d'arrêter la vidéo, on va aller voir ce que ça vaut l'émission expert pour voir. Et je vous ferai des vidéos dessus normalement. Donc on va faire retour à Cotton City et on va voir les nouvelles missions expert. Enfin, je sais pas si elles ont été mises encore. Je sais que normalement il y a des nouvelles missions expert. Je crois qu'il y a Trunks et Zamasu ou Black ou les deux, je sais plus. Donc on va aller voir ça tout de suite, voir ce que ça donne. J'espère que ça vaut le coup quand même. Donc, est-ce qu'on peut les voir ici? Ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air, peut-être là-dedans. Je sais pas, je ne les vois pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles quêtes experts. Je croyais qu'il y en avait, peut-être pas. Donc vous voyez sur la carte, on va se diriger pour le mode histoire. Vous le voyez, il est là. Donc vous prenez le TP, etc. Donc on va s'arrêter là, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager la vidéo les gars parce que c'est très 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 important. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut !